Donc la densité est liée à la porosité à partir de cette formule. Donc j'ai enregistré l'osmo. Donc j'espère que qu'on aura l'enregistrement à la fin. On m'a donné un peu le comeback. Donc la densité en comme dB, vous avez dB qui est la densité de la roche, qui est égale à 1 moins phi. Voilà, 1 moins phi fois d de ma, qui est la densité de la matrice. Donc c'est la densité de la matrice qu'on a allé à la matrice Schnorrière. Donc c'est la partie solide qui contiennent les minéraux. Donc, comme le fluide, vous avez des réactions. Par exemple, si vous avez un hydrothermalisme, un séisme, donc le fluide va migrer, et puis vous avez une déshydratation qui va provoquer qui va engendrer un précipité. Le précipité est décrit comme un minéral. Il est solide. Donc, la partie fluide, elle est solide. C'est-à-dire la matrice, elle inclut les minéraux. Donc ces minéraux peuvent être formés par une déshydratation, par un séisme, par des conditions de pression et de température qui sont passées anormales. Donc une déstabilisation des conditions de pression et de température qui vont faire que le fluide ad hoc va occasionner des précipités de minéraux. Avec les minéraux, la formule vont être définis comme une matrice, comme associée à la matrice. Donc, c'est la partie solide, en quelque sorte. Donc, la matrice est la partie solide. Donc, vous avez la densité de la matrice. Donc, vous voyez que la densité varie. Elle est au cours, par exemple, d'un hydrothermalisme, d'un phénomène hydrothermal intense, par exemple, lors d'un séisme, vous pouvez avoir des variations de densité. Par exemple, qui m'a choisi mal mal cas ta ta ou ce mot mal les étudiants marbel. Bon, on va le cas avec ma ceux qui n'ont pas réussi à voir les choses en présentiel. Donc, un forage, par exemple, un échantillon de roche, par exemple, le domaine de volcanisme. Donc, l'échantillon, lequel des échantillons avant. Très bien, très bien. Donc, l'échantillon de roche avant, pendant et après un phénomène volcanique, vous allez voir que la densité, l'échantillon de un niveau particulier, un niveau lithologique, une certaine lithologie, enfin, un niveau de formation, vous allez voir, si vous suivez très très bien, bien sûr, il faut avoir les mêmes niveaux, la même zone, les mêmes profondeurs, etc. Donc, vous allez voir que la densité de l'échantillon ADEC va varier. Donc, cette densité qui varie, ça fait que la densité varie. Donc, la densité de la roche varie. Donc, vous avez soit la densité de la matrice qui varie, soit c'est la porosité qui va varier. Il va varier. Des fois, c'est les deux. C'est-à-dire des phénomènes où vous avez de la formation de minerais ou de minéral. De minéral. Donc, vous allez voir que la densité de la roche va varier. Donc, les deux phénomènes peuvent être couplés. Donc, on peut avoir la variation de la densité, donc liée à la densité de la matrice et la densité du fluide contenu dans les pores. Bien sûr, pour les gens qui s'intéressent aux hydrocarbures, le domaine pétrolier, ce qui les intéresse le plus, ce ne sont pas les minéraux, mais les fluides contenus dans les pores, même pour les gens qui font de l'hydrogéologie, etc. Mais pour les gens, les minerais, les domaines de la recherche minière, ce qui les intéresse, le paramètre qui les intéresse le plus, c'est la densité de la matrice, c'est-à-dire les minéraux contenus la matrice. Donc, vous voyez que ce sont des choses assez complexes et assez vagues. Donc, ça dépend des domaines d'application. Ça dépend des domaines et de ce que vous voulez chercher. Voilà. L'information utile, donc elle peut être utile
pour une personne est peut-être non utile pour d'autres. Voilà. Donc voilà. Donc lorsqu'on parle de fluide contenu dans les pores, on parle aussi de porosité. Donc la porosité varie aussi. Donc cette porosité aussi, donc la variation de la porosité est aussi associée, va être associée au contenu du fluide. Donc on a vu que au cours, par exemple, d'un phénomène volcanique, donc la porosité elle va augmenter au cours de la migration de fluide. C'est ce qui fait que le fluide va migrer du haut vers le bas. Mais à un certain moment, on aura du précipité, du minéral, donc on aura ce qu'on appelle des compactions. Donc les particules vont se compacter en profondeur. Donc une barrière imperméable va se créer. Si je vais un petit peu simplifier les choses, hein. La barrière impermeable, je crois qu'il m'a qui m'a aussi qui m'a qui m'a la qui m'a la qui m'a qui m'a qui m'a aussi qui m'a vu imperméable. Donc la barrière a dit que le maïdjouz, donc le fluide ou le fluide, donc ça peut être de l'eau, ça peut être des hydrocarbures, du fluide visqueux du volcan, des fluides volcaniques. Donc fluide volcanique, c'est un fluide, il y a une certaine viscosité, donc on peut le considérer comme un fluide. Donc le domaine du volcanisme, donc la migration du fluide Tinder, la barrière imperméable adique va bloquer un petit peu la progression du fluide. Le fluide Tadjali, à un certain moment, ça va éclater et ça sort sous forme de volcan, le domaine volcanique. Bien sûr, le domaine de la prospection des hydrocarbures, ce n'est pas la même chose. C'est plus la déformation technique. Donc, l'emmagasinement, le fluide peut provoquer des déformations qu'on peut voir en surface. Et à partir de là, on saura qu'on a quelque chose. Bien sûr, la progression du fluide dans le domaine des hydrocarbures, il est plus lent. Parce que, le domaine de la formation des bassins sédimentaires et de la migration des fluides dans des bassins sédimentaires. Donc, c'est des phénomènes un peu longs qu'on ne peut pas voir au cours de. Ce n'est pas des phénomènes rapides qui meuf le volcanisme. Donc, le phénomène long Hadak, il dit et le piège à hydrocarbures Hadak, il met de format, je fais une période courte, mais sur des périodes assez longues. Mais le Kenya a par exemple des stations de GPS plus fort, où on a une plage de données assez importante, donc on peut voir un petit peu ce qui se passe sur des échelles de temporales assez larges. Donc voilà, mais à la base, les phénomènes sont à peu près les mêmes. Donc on peut schématiser, on peut simplifier les choses par le fait qu'on ait une progression de fluide, avec une barrière altimale, donc le fluide est donc. Soit ça forme, c'est le cas des hydrocarbures, un réservoir d'hydrocarbures, un piège structural, donc une structure barrière, une structure imperméable qui fait que le fluide est piégé, et est piégé dans la structure radique. Ou là, le phénomène du volcanisme, donc le volcan, parce qu'il y a des profondeurs, c'est rapide. Donc la variation de pression des pores, elle est rapide. La formation, telle que l'élévation de la pression des pores à des niveaux lithostatiques et rapides aussi, ce qui fait que la barrière imperméable, mais à un certain moment, comme le volcan qui surgit. Donc la barrière imperméable, elle se casse, et puis vous avez du fluide qui va migrer en surface. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, les jeunes? Est-ce que vous avez des questions? If you have a question, est-ce que raconte bancaire quelqu'un? Vous n'avez pas encore autorisé le partage. Ok, j'aime bien. J'ai autorisé le partage. Le partage, il est autorisé. Eh non, c'est bon, c'est bon. Le partage, il est autorisé. Ne t'éche allez, on ne se met pas à l'imhab d'ana. Qui me croit les idées, quel est la râle? Quel est normalement le pseudo avec la blouse blanche? Blanchari ou voilà, on a le problème midi. Yasmine Amara, non, monsieur, je n'entends rien. Problème, mais là, moi qui l'ai qu'il y a un homme chez moi, problème, qu'il y a un homme chez moi, qu'il y a un homme chez moi. Donc, problème,
Donc on est en face à un problème. Ouais. Les jeunes, est-ce que quelqu'un peut, est-ce qu'on peut faire? Je pense ça. Je pense on va faire une autre réunion Webex. Une connexion ou راهي تمشي نورمال بصح كاين راهم يسمعوا كاين هادي وسمها 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 كاين لي ميساج عنده 15 مليون ملي نرسلوها هادي اش نرسلوها كيف حرب انت ما تجي داك الحرب نرسلوها شنو نرسلوها ملي اوكي واش نبغى الاخر جاك المرسول لا كيفاه بون هاي الكيس من عمارة قد جو نونتون غيان جاه داك تسمع انت راك تسمع بصح ياسمين عمر ما يسمع كيما يسمع هي دونك كاين اللي ما يسمعو تانيك فوالا سا مارش نورمال عندك سا مارش نورمال بيان سور سا مارش نورمال بغاف اسكو دوطخ اسكو دوطخ الى دوطخ بيرسون كي ناريف با اونتوند اسكو كاين واحد اخرين اي كونيكسيون تاعهم ما مش سمع فوالا دونك سا سا سبو كو لو بروبليم اي بلوتو شيزال فوالا On vous entend très bien. Écoute, voilà, s'il y a des gens, les membres qui se meurent, écoute, très bien, très bien. Très bien, donc on laisse le truc. Voilà, donc. C'est bon, très bien, très bien. Donc, les bon, qu'est-ce que le partage d'écran a coûté au fond de tout le monde? On a un chauffeur. Rapporter, on va essayer au moins de faire quelque chose lui. Au moins, bah, ben, je vois, mais si on dit le haja, mais je ne sais pas, tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as oui, il est partagé, très bien. Khlas, donc, on kemelo, très bien. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Très bien, très bien, très bien. Donc, est-ce que vous avez des questions, les jeunes, par rapport à ça? Si vous n'arrivez pas, vous pouvez poser les questions sous chat. Vous pouvez laisser des messages. Est-ce que vous avez des questions, les jeunes? Pas de questions. Majid, pas de questions. Majid, pas de questions. Un petit résumé, voilà. Donc, un petit résumé. Donc, je me fais un petit. C'est à vous de poser des questions. Hein? Et les cours sont. D'être un enregistrement, mais bon. Le cours de l'année fait très. Donc, on va. Bien sûr, on a fait comme le cours, il n'y a pas de problème. Si j'arrive à enregistrer, j'espère que l'enregistrement est collé. Mais si j'arrive à voir, parce que je n'ai pas l'habitude de travailler sous Zoom, si j'arrive à voir le fichier, je vais vous dire ou je vais vous dire YouTube, je vais vous dire une autre salle ou pas de questions. Pas de questions, Bousmaël. Ok. Ok, pas de questions, oui. Est-ce qu'il y a d'autres gens? Donc, il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, qui me là. Voilà. Pas de questions une fois, pas de questions deux fois. Pas de question trois fois, adjugé. Non, pas de question. Donc, la densité... Là, là, Mazal. Donc, la note à Benahna, pour que la densité de la roche est en fonction de la densité de la matrice, convoluée à la porosité. Donc, elle est convoluée à la porosité.
حنا واش قلنا على لا بوروزيتي؟ قلنا لا بوروزيتي لا اون بورسونتاج، وقلنا لو ان موان في هذا سي اون كيلكو سورت لا بروبابيليتي دافوار d'avoir une certaine porosité lors d'un phénomène géologique particulier. Donc la porosité elle est en pourcentage où le 1 hada c'est 100% en quelque sorte. Donc 100 على 100 100 تقسيم 100 تساوي 1. Donc le 1 moins phi, donc le phi est en pourcentage. Pourcentage des fois en géophysique vous pouvez trouver des valeurs aberrantes, il y a 30%, 20%. Hadouma parce que c'est la physique qui fait ça, donc qui dit ça. Donc les essais de labo dans des conditions de pression et de température qui ne sont pas les mêmes que ceux en fuite le fluorate. Donc il y a une différence entre les essais de laboratoire lorsque il y a la porosité évaluée en laboratoire et la porosité réelle effective, celle qui est associée à la formation d'une roche particulière ou là d'un événement géologique particulier qui fait que la roche fait que la porosité d'un niveau particulier, par exemple un niveau sédimentaire, varie d'une porosité X à une porosité Y. Donc faites attention à ça parce que la porosité que vous avez l'habitude de voir, c'est des porosités faibles. La variation de porosité, elle est de, par exemple de 0,02 à 0,05, des fois de 1%, 2%, etc. Donc des fois, des fois, sur des phénomènes plus complexes, vous pouvez avoir des porosités de 10, 20, 30%, surtout dans les cas où il y a des roches réservoirs, etc. Donc, vous pouvez avoir des porosités assez élevées. Donc, il faut faire attention à ça. Même les laboratoires, des fois, la porosité dans le laboratoire, c'est telle, mais en profondeur, dans les conditions de pression et de température, la porosité effective, elle est associée aussi à d'autres choses aussi. Donc faites attention à ça. Donc هذه ما يسمع قالك ما يسمع ولا ما يسمع ما على باليش اللي ما راهوش يسمع دونك كاين دو بيرسون اللي ما راهوش يسمع يقولنا تانيك اللي ما راهوش يسمع يقولنا تانيك. S'il vous plaît, essayez d'utiliser des noms tawakum. Asma watkum khair bach na'rafkum bad. Ma djouch ma'a l'akhra ma'a l'akhra tqoulou li ya cheikh ana huwa la wala. Wala tqoulou li ana hiya btbouta ma. Donc à la fin lorsque vous avez des problèmes tqoulou li cheikh. Ali kima hajjaj maria ou moi na'rafkum chkoun ntoum. Voilà. Donc utilisez des appellations tawakum. مش هكذا نعرفوكم نعرفكم شكون اللي راهو هنا شكون اللي يتباع شكون اللي فوالا ميم ابخي سا 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 بو كو كيتر بينيفيك بور فو ماشي نقول لكم هكذا فو نت اوبليجي يعني ما با بروبليم انا ما صافا انا نسمع دونك تقدروا تخرجوها قال ياسمين عمر قالت لكم انا خرجت من لا ريونيو عاود وليت نسمع دونك لي جون كي ناريف با اتون فو سورتي عاودوا دخلوا خرجوا عاودوا دخلوا دونك نورمالمون فو نورمالمون لو بروبليم سيغا ريغلي من بعد تخي بيان تخي بيان فوالا دونك هكذا فهمتوا باغ اكزومبل نعطيكم ان اكزومبل انا في دو فينومين جيولوجي كي بوف تيغ ديستانك باغ اكزومبل في الفينومين تاع الميتامورفيزم والفينومين تاع لا ميغراسيون دي فلويد في ان باسان سيديمونتال يعني لا فورماسيون تاع 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 اون روش ريزرفوار دونك في الفينومين تاع الميتامورفيزم ولا في الاخر لي بوروزيتي بوف ولا لي غام دو بوروزيتي بوف ديفيري تقدر تشوفوا باغ اكزومبل في لي زيتود بيترويار دي فالور دو بوزيتي الفي تاع 10% اكسترا وفي الفينومين تاع ميتامورفيزم ولا في لور دي سيز بوفي بارلي دو فارياسيون دو بوزيتي اسي فابل دونك لي غام كيما نقولوا لي دومين ولا لسباس دو ترافاي ني با لي ميم دونك اوني سور دي دومين دو بوزيتي كي بوف نو با تيتر سامبلاب دونك فيت اتونسيون ما تقولوش par exemple nous trouvons par exemple lequel déroule des trucs au-dessus des porosités de 10, 20, 30% qu'on les cherche là par les narines 0,05 ou la 0,05 donc ça peut être lié à des phénomènes géologiques qui sont différents voilà
Mais je suis d'accord avec que généralement en géologie, on parle de porosité, ou de gamme de porosité qui ont des niveaux, qui ont des niveaux moins élevés que ceux qu'on utilise dans le domaine de la recherche pétrolière. Donc, est-ce qu'il y aura une autre séance à 21h? Je vais vous donner à 21, bien sûr. On continue, donc, bien sûr, si ça se coupe, on va te ولا حبيت تخرج تشري ساندويتش تجيب معاك ساندويتش وكل علاه قلت لك ما تاكلش ما قلت لكش ما تاكل تقدر تشوف وتاكل فوالا اي شويه اون تخان دونجيستي مسيو اون بو رابورتي سات لا نكملوا شويه ومن بعد نشوفوا ابخي اون فابوار اون فو فولي فو فولي خاطش بروبليم تكونيكس Bon, vous voulez qu'on reporte? Chauffons tout, ma. Est-ce que vous faites un sondage? Dire un sondage, chauffons chacun les. Est-ce que vous voulez qu'on reporte? Bon, c'est Drissi. J'entends rien, monsieur. Bon, c'est Drissi va poser une question. Drissi, avec le nom. Botbota, ça signifie. هذه بالضبط رجعت هي راح تلسكها لنا كاع انا ريكوردي وين انا ريكوردي دونك سيل فو بلي اسكو فو فولي كون كونتينيو بون ديري سي قالك بالضبط بالعقل برك بالعقل برك صح مزيان قلتي اسمك بالضبط هكذا هما ما سا ديبون دريسي ما تقولش سا ديبون تقدر تصبها تصبها ماشي بالضبط والله سي جوست ان بسودو ما تقولش هو ده لا لا وي سي وي اون كونتينيو تري بيان تري بيان دونك اون فا كونتينيو اي بو لا لا دام هذيك ولا لو مسيو ما على بالنا شكون دونك بوفي Voilà, très bien, très bien, très bien. Au moins, il y a des gens qui s'intéressent, très bien. Donc, ça fait plaisir. Voilà, donc on continue. Donc, si ça se coupe, on a une délégué comme ce mot. On a une délégué comme ce mot. On a une délégué. Une autre ce mot. Maalesh, est-ce que vous pouvez revenir, s'il vous plaît? La jeunesse, on a une délégué la diapolie. Très bien. Très bien, très bien. Donc là, vous avez en nota bene, là, la densité de la roche est en fonction de la densité de la matrice. Donc, la densité de la matrice DMA convoluée à la porosité. Donc, elle est convoluée à la porosité. Donc, c'est un produit de convolution. M moins phi fois DMA est un produit de convolution. Je crois que comme le produit de convolution, c'est un développement mathématique théorique. Donc, il y a toute une théorie derrière cette loi. La loi que tu fais, elle est très, très simple, mais je vais vous les théoriciens ou les la loi, il a fallu faire beaucoup de mathématiques et beaucoup d'essais de labo aussi, beaucoup de physique pour arriver à produire ce genre de formulation. Généralement, cette formule marche. Peut-être dans certains cas, elle peut ne pas marcher, mais généralement, cette formule donne des résultats satisfaisants. Donc, elle est convoluée à la porosité, à qui on rajoute, donc vous avez un autre terme, voilà, donc le premier terme et le deuxième. Donc, le terme est lié à la densité des fluides contenus dans les pores. Donc, c'est le DF, c'est la densité des fluides fois la porosité, c'est-à-dire contenue dans les pores. Voilà, donc pour cette diapo, qu'est-ce que tu veux dire? Je convolué, très bien. Un produit de convolution, c'est un produit de convolution, il y a un espace. L'espace mathématique, le produit de convolution, il y a un espace, peut-être défini comme multiplié, comme une multiplication. Donc la convolution fait un domaine. Donc, par exemple, un exemple, le domaine des transformés de Fourier, le traitement de signal, un signal sismologique. Donc, on peut passer d'un domaine temporel à
un domaine spatial. Donc on peut faire un domaine fréquentiel, pardon. Donc on peut passer du temps à la fréquence. Donc lorsqu'on passe des temps à la fréquence, il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui changent. Donc il y a des variations. Mais là qu'on voit, c'est un espace particulier. Donc ça peut être un espace de développement mathématique théorique. Donc l'espace du domaine de la géologie appliquée ou le domaine, ce qu'on appelle le domaine algébrique, le domaine de l'algèbre, si je reste dans les maths, donc le domaine là, la convolution a dit maintenant multiplication, maintenant multiplier. Maintenant, lequel a dû les, si vous voulez, est-ce que vous pouvez revenir? Est défini comme multiplier. Donc j'ai m moins phi multiplié fois d de m1. Donc c'est multiplié fois 2 fois d de m1. On a que tu vois de blanc et un point. Un point c'est multiplié tellement pour un petit peu faire la différence entre les deux. Donc vous avez m moins phi fois d de m1 plus d de f point maintenant phi fois phi fois la porosité. J'espère que j'ai répondu à votre question. Normalement, si vous n'arrivez pas à voir le truc, relouez-le. Multipliez par Hadi, multipliez par. Adaw el convolu. Parce que le convolu est un espace qui est défini dans votre espace, en relou, par multipliez par. J'essaie de vous inculquer quelque chose. Thomas, vous êtes assez grand pour aller chercher de l'information qui est internet, qui est donc on a comme les bases de votre travail après pour les gens qui s'intéressent vraiment à la belle épidémie. C'est toujours la même chose. Mais qu'est-ce que vous avez qui s'intéresse? Mais pour les gens qui s'intéressent au phénomène, ils peuvent chercher sur internet, vous pouvez trouver des choses utiles. Mais seulement avec comme un conseil pour les gens qui veulent chercher de l'information utile sur internet, كما هذوك اللي يشوفوا التلفزيون يقول لك بوناطيرو تسمع الزنزله يقول لك يا شيخ وبوناطيرو واش قال؟ روحوا عند الناس اللي يعرفوا لي جون سبيسياليزي دون دومان كي سون دي سون تيسيو دو لونيفرسيتي كونيو دي فوا تصيبوا دي كور في انترنت تصيبوا دي سي في تاع دي جون كي فو بروبوز دي كور دونك يلفو شيرشي تما ولا دي زونيفرسيتي روحوا في دي زونيفرسيتي كونيو ما تروحوش لونيفرسيتي اللي ماشي معروفه دونك لا فو زافي دي une information sérieuse et utile donc qui a un degré de confiance assez élevé, voilà. Mais là au moins on vous donne les bases. Alors après c'est à vous de Thomas Koukouba que vous avez qui fait qu'il y a aussi l'effort peut-être un effort personnel. À chacun, donc je continue à l'incubateur. Donc Nadia Ousana, quand on voulait maintenant, toi, Adi, mon arfage. Les gens me disent, mais toi, mon arfage. توا ما عرفتش معنى التواء. معناتها التواء التواء اسمها دوك التواء التواء واش معنى التواء يلتوي الالتواء ولا لا الالتواء يتلف دوك التواء ولا يتلف يسمى تلفتلك خلاص تلفت يلطف الالتواء معناتها يلطف الالتفاف نو هاك واحد بعيد لجان هاك واحد بعيد الله يهديكم انا الكلمة هذه نعرفها الله يهديكم نعرفها يلتف ماشي عفسه هاك يدور تسمع عندك حنش يدور فوالا هذيك الحنش اللي يدور الحنش اللي كان ما تحكمش مليح يدور عليك يلتف فوالا. Donc, s'il vous plaît, avec traduction littérale, très bien, c'est une traduction littérale, voilà. Donc, il faut comprendre déjà la convolution pour après traduire.
شوفوا الناس باغ اكزومبل نكملوا نحن نريحوا هنايا شوفوا الناس باغ اكزومبل في الالماني باغ اكزومبل في لي زونيفرسيتي المون شوفوا دي فوا دي تيست دو دكتوراه اكخيو ان المون بصح هذاك اللي كتب التيست تاعو ان المون حتى ونفهم مليح واش كتب باش دارها ان المون فهمتوا دونك لا ميم شوز انتوما تانيك افون دو تخادوير كيلكو شوز يل فو لو كومبروند من بعد وزالي لو تخادوير الا ما فهمتوهش الا ما فهمتوهش ما تقدروش تخادويزي واحد الوقت في في الموين اج نهار كانوا في لوروب في الموين اج لي مسلمون اون ترادوي لي 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 طابل دو بتوليمي تاع بتوليمي ايزون ترادوي لا سيونس دي زندو لون ترادوي بصح كيفاش ترادوي حتى نفهموها فهموا واش كاين في لي طابل دو بتوليمي حتى نفهموها مليح باش شي زون في لا ترادكسيون تاع تاع لي طابل هادو على بالك سي دي طابل جي كونتيست ان ترافاي فارونيكا حاجه كبيره بزاف ما تقدرش تطروش Donc ils ont traduit, à partir de là, ils ont mis au point les bases du GPS moderne. Donc GPS, la coûte c'est utilisé au fait. Donc ils ont développé ce qu'on appelle les formes de trigonométrie sphérique. À partir de là, ils ont calculé, ils ont bedelo. Donc ils sont passés du triangle rectangle, les morphines à la fois, des relations de Pythagore par exemple, les triangles rectangles maro. Le triangle sphérique. Donc, ils ont calculé les distances sphériques entre les points, entre les points géodésiques. Et à partir de là, ils ont développé leurs propres outils. Voilà, leurs propres tables. C'est le principe Mohamed table parce qu'ils ont développé aussi des formes mathématiques. Mais Abel Mausmo, ils ont traduit les choses, c'est-à-dire fermo, je kenne, besh kadrou. Donc, la traduction littérale a dit que ma تاع نعرب دوك دير تنوض الصباح هكذا تدخل دوك اليوم خلاص اليوم كلش بالعربيه وانت ترميز اسمه في برا هذيك ما تجيش هذيك ما تنجحش لا لا ولا تسيبورتي اسمه ولا تسيبورتي السير بي ولا المولوديه ولا نهار كومبليون تاع في الصاد ومن بعد تنوض هكذا تقول خلاص اليوم فوالا اليوم نقرا كلش بالعربيه اليوم هذيك لا لا هذيك لا انا نقرا ولا لا نكمل نقرا وانا نقرا ميم هذه قرايه باش تفهمي بور كومبروند دونك لا سي اون ريبونس ا فوت كامارد كي بن عيسى منصف كي مي او بوان كي توشي ان بوان سونسيبل فوالا دونك هذه قرايه ثاني هذه ماشي انا نهضر على القرايه دونك الفو فوالا دونك لي جون كي سانتيراس نورمالمون فهموا فوالا بن عيسى منصف فهم واش حبيت نقول Les gens qui n'ont pas compris, mais il ne faut pas me comprendre mal. Voilà. Il ne faut pas prendre littéralement direct à copier et coller. Donc, fais-moi le morceau de terre et je vais te dire. Il ne faut pas me. Voilà. Je vais te dire que je suis politique. Je suis politique. Voilà. Oui, merci. Par exemple, Flocher, par exemple, c'est. بيسك حنا في الجزائر نحبوا نهضروا على تحرير فلسطين تحرير القدس وكذا نحبوا نرجلوا فوالا بغير اسمه بلا سبه نحبوا نرجلوا حنا تش حنا ما عندنا والو بان سي فو فاي باغ اكزومبل لي ليفر تاع السيسمولوجي تاع اكري اون ابرو راسكم يحبسوا انا شفتهم دونك ils ont réussi à faire de la science en hébreu alors que l'hébreu en elle-même en langue est une langue qui n'a pas de poésie La langue elle est, c'est une langue qui n'a pas de structure par rapport à la langue française, la langue anglaise, l'arabie, on a rajouté l'arabie. Donc c'est une langue qui n'a pas Pourquoi ils ont réussi à traduire les écrits de science en sismologie, par exemple, en particulier la langue hébreu, tout simplement parce que ils maîtrisent ce domaine. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez il faut maîtriser le domaine. Comme vous pouvez faire une traduction voilà, qui serait bénéfique pour tout le monde. Voilà. 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 C'est ça. قبل ما تروح تحرر القدس لازم العلم قبل لازم تكون مسلح تروحش هكذا برك تشبك على راسك هكذا هيا بون لي جون نكملو
Donc, on continue. Très bien, on continue. Saha Mansouf. Donc, Mansouf, n'adjibni. Mansouf, il a compris le truc. Voilà, ça fait plaisir. Donc, il a déjà, il a fait un vrai wabak. Ça. Voilà, ce n'est que du bénéfice. Ça va tout matin avec un beau gars. Voilà, c'est mouche bonne mousse. C'est mon échec de صح صح ما جيتني فهمت تسمى كاين غير وسمو لنا غير البنات اللي ما فهموش لا كيفاش ناوي بون كونتينيو دونك دونك يعطيكم الصحه فوالا فهمنا ساره دريسي دوك فهمنا فهمنا ما عرفتش اذا فهمت ولا خافت ولا المهم قالت فهمنا بون اللي في القلب ما على باليش قالت فهمنا فوالا كاع فهموا داك نو ماشي فهمنا فوالا ليش والله رمتني على راسي هذه نو ماشي فهمنا دونك راح تفهم بون كونتينيو اون كونتينيو دونك maintenant pour une roche qui n'a pas de port donc la porosité elle est nulle elle est de 0% mais elle est 0 donc 0% c'est 0 divisé par 100 qui est égal à 0 donc vous avez db qui est égal à 1 moins phi fois d de ma plus df fois 0 ما خفناش كيفاش ترمي لي الموس هنا تقول لي ما خفناش هادي بينات كي ترمي الموس هكذا كان هو درتي مع باش انا كاش الاخر كاش شادي ولا كاش قط هنايا ما خفناش نفهم بلي ما خفتوش صح كي ديري لي الموس هكذا واش معناتها تسمى انا نولي مي ما انا نخاف دوك هكذا كاين اون اوت سيونس نورمالمون كاينه نورمالمون كاين كاين مي اون فوا فوا سكو اون تو لي كونفيسي دو فار لو ماكسيموم بور اجوردي من بعد نافونسي شوية بعد ابخي مازال كاين لونجيسترمون كاين كلش ما حنكوبيه ما تخافش ما كوبيش لي باساج هذوك كاين سونسي خلي كلش مي نتاع بالبوطان خليها ما تخافش سي ميم بروغرام كو لاني باسي سي ميم بروغرام مي انا جو فو كونساي داسيستي باسكو دي فوا جو دي دي شوز كو جي ني با ديت لاني ديرنيير دونك سا بو فوز اتر كو بينيفيك ابخي فوز افي اوسي لونجيسترمون اي بي الانغشمون يلفو با فير كونفيونس باسكو كي تعرفو دونك دي فوا سا مارش دي فوا سا مارش با تشوفو بدينا بحاجة و دونك ماشي ماهيش بيدي دونك فوالا جيسي انا جي لونسي لونغشمون مي ابخي فوالا دونك هو دا ويسي غات السيريو لي جون حبسو تحراش ماهيش حرش انا نورمال والله ما نحرش انا هذا نورمال ماشي تحراش سي الميم بي دي اف وبيان سور سي الميم بي دي اف سي الميم بي دي اف مي mais je me rappelle Zahra Mel car c'est le même PDF oui c'est le même PDF mais la présentation vous allez voir que peut-être je dis des choses déjà je dis des choses là même les mandatons je l'ai mis fait mon PDF bah tu dois qui toi tu oublies voilà je m'as dit c'est le même PDF mais d'accord et mais j'ai copié collé maintenant sur la voilà mais j'ai voilà Donc il y a des choses que voilà, il y a des choses qui peuvent être dites cette année, qui peuvent vous être utiles. Voilà. Donc maintenant je continue hein, les jeunes, parce que le canal est là, Badman Dirouad. Très très bien, ça tombe bien car l'année passée, c'est le seul module de MFN touche. والله يا زهرة منال انت تسمى سوفوزات كيلكان ديكسيبسيونيل على باك كي تقولي لي هكذا تسمى فهمتي لي موديول اللي داو فيهم كاع الزوارة والموديول لا بليبار داوه ما فهمتيهاش دونك هادي قليل اللي انا هادي باك خطرة في واش اسمه مي بون كي ما فهمتيش بصح فوالا لازم نبني الميكرو تاعكم كيفاش بطبطه جاعت وما ولات دير اسمه ماقدرش ما نعرفش شكون ها هو البروبليم ممكن كانوا زوج يا
بتضبطها هذه الله الجوع تدير كلش. الله يهدي الله يهدي الله يهدي والله يهدي، ما على بالناش دوك اون سي با سي با واش سي ان بو سوب، ما على بالناش كاين في هذا. المهم الله يهدي الله يهدي الله يهدي ولا الله يهدي. كبيرة 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 ولا كبيرة واحدة من الزوجة فو با تاني ك فوالا فو اتر جوست فوالا على بالناش ما على بالناش سي اون في ولا ان كارت انا ما شفتش صافي الا كاين لي. بغيف اون كونتينيو لا جان نكملو Voilà. Donc on continue. Donc maintenant, lorsque j'ai uniquement du fluide, donc vous avez une porosité de 100%. Donc allez, tu vois, refais l'éponge. L'éponge généralement, quand tu mets une éponge, donc la porosité elle est de, donc elle est de 100%. L'éponge pouvait la définir comme un matériel de porosité qui est égal à 100%. Donc la densité de l'éponge qui est amoureuse de la fuite va être, elle va varier. Donc elle va varier. Donc la densité de le poids de ha, il varie. Donc ce qui fait que la densité de ha, elle varie. Et cette densité, elle est en fonction de la porosité. Donc la densité de votre éponge, l'éponge tacom, est en fonction de la densité du fluide. Voilà. Donc, à chaque fois qu'elle contient plus de fluide, la densité de Hatt est diminuée. La même chose pour les roches réservoirs d'hydrocarbures. La densité d'une roche réservoir d'hydrocarbures, elle est en fonction du fluide contenu. Donc, si la roche réservoir, si vous avez un réservoir qui contient, donc la densité de l'eau va dépendre de la densité du fluide. Par exemple, si vous utilisez les méthodes de gravimétrie qui dépendent de la densité, ou le marqueur est la densité, donc là, les variations de densité ou le contraste de densité peuvent vous donner une idée sur la capacité de la roche, d'une roche particulière à être réservoir d'hydrocarbures ou là de gaz, etc. Voilà. Même le domaine technique, c'est à l'hydrogéologie, la même chose pour les problèmes de nappe souterraine. Voilà. Donc maintenant, si je veux faire une courbe, là, si je veux mettre en fonction la densité ou une courbe relatant la densité en fonction de la porosité. Donc là, la formule elle est simple. Donc vous avez une relation linéaire entre les deux. Donc la relation est linéaire. Donc la relation elle est linéaire. Et vous avez la densité qui va varier de la densité de la matrice jusqu'à la densité du fluide. Donc vous voyez, tu vois la variation. Donc là, on peut avoir une idée. Donc, si je fais une prospection de l'oral, je peux avoir une idée sur l'évolution de la densité. Donc, là, la densité varie, évolue de la matrice à les fluides. Voilà. Donc, je peux avoir, si vous avez quelque chose qui ressemble à ça en fonction de la porosité, par exemple sur des domaines géologiques donnés, par exemple, en fonction de la profondeur, vous avez une diagraphie où là vous allez suivre la densité en fonction de la porosité. Si vous trouvez une relation comme ça, donc vous voyez que l'évolution elle est linéaire. Donc généralement les choses qui sont utiles pour vous, c'est les domaines où vous avez le plus de porosité, c'est-à-dire où la densité de la roche est à peu près ou approximativement égale à la densité du fluide. Voilà. Bien sûr, c'est l'inverse. Mais ce qui m'a fait l'éponge, l'éponge, j'arrête comme un exemple. Mais l'éponge, c'est l'inverse. Donc, l'éponge, c'est des phénomènes inverses. Donc, pour une roche dans le domaine géologique, donc vous avez la densité qui est généralement évolue en négatif. Généralement, elle évolue en négatif parce qu'elle comme Hadjara, Machi, donc, qui tous les poreuses, tous les refifs, en bas. Donc, voilà. Donc le fluide contenu de max, un fluide qui s'il remplace le solide, donc là j'ai des densités qui diminuent. Voilà. DB c'est quoi? DB c'est la densité de la roche. De la roche, ça compte. De la roche. Là on a fait le domaine géologique. Donc Jamel, je n'ai pas compris ce point.
جمال عندك باغ اكزومبل عندك باغ اكزومبل انت لو كان دير ان اسي علاش قلت لك لي زيسي دو لابوراتوار ماشي كيما لي زيسي ولا لي زيسي لي زيسي دو لابو ماشي كيما لي زيسي ماشي كيما في ماشي كيما في الدومين جيولوجيك عطيتك ان اكزومبل عطيتك ان اكزومبل تاع اون ايبونج ليبونج تاعكم ليبونج 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 اللي تخدمها في الدار ليبونج تاع ليبونج سي ان ماتيريال سي ان ماتيريال سي با ان ماتيريال جيولوجيك سي ان ماتيريال ماتيريال نورمال ايبونج احكم ليبونج تاعك ليبونج تاعك جمال ليبونج ليبونج في الدار لعبة ليبونج ليبونج كيما بوب ليبونج تعرف البوب ليبونج ليبونج هذيك ليبونج ليبونج هذيك دخلها في الماء دخلها في الماء نعرفوا تعرفوا بوب ليبونج صح بوب ليبونج هذاك ماشي بوب ليبونج ما ليبونج هذيك قولوا بوب ليبونج علاش يقولوا بوب ليبونج باسكو كيشبه ليبونج فوالا بوب ليبونج هذاك هو فوالا دونك هذيك ليبونج هذيك كي تحكمها كي تحكمها تعمر تحطها في الماء تحطها في الماء الثقل تاعها يتبدل ولا ما يتبدلش تولي ثقيله تولي ثقيله ليبونج هذيك تولي ثقيله تري بيان معناتها لا دونسيتي تبدلت لا دونسيتي تاعها تبدلت بصح كيفاش تبدلت لا دونسيتي اش كتبدلت اسكو زادت ولا نقصت زادت هنايا تما في الفلويد الفلويد زاد ثقل فوالا تري بيان وي تري بيان دونك الفلويد زاد ثقل في في ثقل ليبونج تاعك هادي سي ماتيريال هذا سي تام ماتيريال في لاسونس دي ماتيريو اون ديفيني لي بونش كوم ان ماتيريال اللي عنده دي كاركتيريستيك فيزيك بارتيكولير فوالا سي لوجيك بون سي لوجيك ماشي سي لوجيك سي لوجيك مي مي سي لو ريزولتا دون اكسبيريمونطاسيون سي لو ريزولتا دون اكسبيريونس سي دون اكسبيريونس كو فو فات فوالا تقدروا داركم الكوزينه تاعكم تكون لابوراتوار راكم فاهمين دونك بوفي فير ليكسبيريونس Mais comment faire le contraire? Le contraire, mais je sais comment le faire. Le contraire, c'est-à-dire que ce qui se passe dans le domaine des matériaux géologiques, généralement, il faut prendre les choses avec des pincettes. Généralement, ce qui se passe est le contraire. Parce qu'on trouve des roches qui ont un. Ah là, elles sont des réservoirs, donc les roches en fausse mou, ils ont certains, ils sont sur certaines conditions de pression et de température. Il y a des roches qui sont denses, qui ont des densités assez élevées, la roche elle va se fracturer. Quand elle se fracture, au cours des temps géologiques, quand elle se fracture, la densité a déjà été bédélée, ou quand le fluide entre le retard, il va endommager encore plus le retard, la roche. L'exemple est un mur en béton. Tu vois un mur en béton. Par exemple, quelqu'un met un mur en béton, par exemple, un mur marbre de béton armé, ou imagine le mur en béton, avec un pilier de béton armé, etc. Mais le temps, imagine le pilier, il juste fait le mât, il me fait le mât. Avec le marfif ou le marfif, tu peux dire, tu ne peux pas faire le marfif. Mais à un certain moment, au cours d'un temps assez long, très bien. Le mât hadak youlli yendommage le mur en béton hadak. Il provoque une variation de porosité, le mât youlli infiltré. Et là très bien, altération, bah youlli le mât ydkhol, ou بعد le pilier en béton تاعك hadak, il va changer de propriété physique. Et l'une des propriétés qui va évoluer en négatif est la densité تاع pilier hadak. دونك مع الوقت من بعد تلحق ان سيتان بوان يرشى المير هذاك يرشى فوالا الماء باك خفيف مي مع الوقت يبروفوك دي ديغا فوالا مع الوقت يبروفوك دي ديغا فوالا دونك مع الوقت المير هذاك يرشى دونك لا دونسيتي تاع المير هذاك تتبدل و اوب ان سيتان مومون le mur va basculer d'un état yani il évolue le basculement d'un état qui m'a dit compact à un état fragile et puis à un certain moment le pilier تاعك يقدر يطيح ou le bnia تاعك كاع يقدر يطيح بعد donc est-ce que فهمت جمال est-ce que فهمت voilà comment faire le contraire je t'ai donné un exemple c'est un autre matériel qui ressemble un petit peu à ce qui se passe dans le domaine de la géologie. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre le truc. Est-ce que Femt le. Bon.
Bon, croûte les mais pourquoi les réservoirs quand on fait le forage? Quand on fait le forage, il faut continuer la question, tac, mais femme déjà. La couche roche-mère, alors qu'il me kimmel. Les gens, s'il vous plaît, les gens qui ne s'intéressent pas à mes bdos, ils ont quoi, Léna, s'il vous plaît. Pourquoi elle ne se détruit pas? Alors, elle ne se détruit pas. Peut-être qu'il ne parle pas les gens, s'il vous plaît, s'il vous plaît, les gens. S'il vous plaît, les gens. Les gens, séance à l'heure. Si ça vous intéresse, les trucs, les raccourcis, il a habité très haut. Je sais pas que l'Andalus, rachat qui voulait n'acheter. Voilà. إذا حبيتوا فوالا إذا حبيتوا تكونوا رجال ونساء حبسوا لنا المشاكل هذه نقصروا صح فوالا مي في المعقول ماشي في الاخر فوالا دونك سي فو بلي لي جون راهي نصيحه وانتم ننصح فيكم وانتم سي فوالا كل واحد المعدن تاعو كل واحد كاين المينيرال تاعو وسموه كاين اللي كاين اللي عنده المينيرال تاعو نوبل يفهم لها انت لو كاين اللي المينيرال تاعو عيان هذاك ما فوالا لا حيلة لنا معاه بون كونتينيو لي جون كونتينيو ما جو ريبون لا كيسيون تاع جمال شاش با سافوا البريك دونك انا قلت لكم وانتم هما الحمد لله ميرسي بو لي جون كي ميم فوالا ميرسي دو 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 بيسي البريك دونك وي مي بوركو في لي ريزيرفو كونت اون في لو فوراج لا كوش ne se détruit pas. Moi, je ne sais pas. Bon, elle m'a dit. Donc, pourquoi, quand on fait le forage, la couche mère ne se détruit pas? Tout simplement parce que c'est le fluide qui va migrer. Il va migrer. Parce que chez la roche mère qui se détruit, c'est vrai que vous avez les réservoirs, des fois, le réservoir, il est fracturé. Naturellement, il est fracturé les réservoirs là, de par les conditions de tectonique, de par d'autres phénomènes liés à la sédimentation qui fait que des fois des déséquilibres les taux de compaction les sédiments vont faire que le fluide il où ça va créer une pression qui est là, qui va faire que la roche a dit qu'elle est compacte, va se fracturer, le fluide va migrer. Donc, quand le fluide migre, vous avez une variation de pression des pores entre différents niveaux qui fait que le fluide migre et vous avez, lorsque vous faites le forage, le fluide est là, mal les conditions de pression et surtout les conditions de pression par les variations de pression. Donc tu vois dire que quand par exemple tu as coca donc tu le dédoues mal bah vous avez le vous savez donc chaltoat que nous allons voir qui est chaltoat tu fous le télé. Maintenant pourquoi la roche mère ne se détruit pas? La roche mère elle peut comment vous appelez? Parce que ça dépend. Vous avez un socle, vous avez une roche mère, donc les appellations, les systèmes. Je ne suis pas dans le domaine pétrolier, on a des exemples, je suis dans le domaine des séismes assistés par les fluides. Mais j'essaie un petit peu de comprendre ce que vous dites. Si on parle de roche mère, par exemple, la roche mère, si on définit la roche mère comme une roche à réservoir, en quelque sorte, mais chez la roche à réservoir qui va être détruite, c'est plutôt les barrières imperméables. Ce qui nous intéresse, c'est la barrière imperméable qui sont au-dessus, qui ne laisse pas le fluide migrer vers le haut. Donc, les barrières imperméables, ils peuvent être détruites par une injection aussi de fluide, mais dans le sens inverse. Il y a une forte bateau un fluide, bateau du fluide, qui m'a fait fracturation hydraulique, donc bateau du fluide. Vous voyez que le fluide, il va, donc il migre sur des réseaux de failles, il t'hajjar, donc il crée une variation de pression des pores et la densité, donc les propriétés physiques, la couche qui est de l'eau et puis vous avez
vous avez hein, une couche imperméable qui va être détruite et du fluide qui va migrer de la roche mère vers le haut. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai. Donc, je ne sais pas si. Donc, il y a Zara Manel qui parle de le pétrole enveloppé dans l'argile. L'argile développé dans l'argile, bien sûr, le contenu en argile, bien sûr, le domaine argileux aussi joue un rôle, mais en quelque sorte, c'est un indicateur. L'argile, le problème de l'argile, c'est que c'est une niche meuble. Le problème de l'argile, c'est que l'argile est une roche qui. Où la porosité varie bzaf, donc la porosité gonfle, donc il peut contenir des hydrocarbures, donc il peut jouer le rôle de réservoir d'hydrocarbures, mais je rêve les algues, mais je rêve le fluide, mais je rêve les algues. Ne se détruit pas. Il y a fait les argiles, bien sûr. Les argiles, c'est une machine, ne se détruit pas. Donc, un certain nombre d'endommagements. Si je parle en termes physiques, ils peuvent s'endommager, mais généralement, les argiles changent de porosité. Ils gonflent de la porosité. Mais ce qui met les calcaires ou la flotte. Les calcaires ou les basaltes. Bon, les basaltes, c'est très bien, mais ils peuvent se casser aussi. Bon, mais les calcaires ou les quartz, si je parle de minerais. C'est ça la cause pour se détruire. Bon. Très bien. Les Philippe. Donc, les plis qui m'a calqué à Jamal, oui, ça c'est une question très très intéressante. Les plis d'année qui a donné à nous, le plissement des fois, cette déformation, le plissement est associé à des réservoirs d'hydrocarbures. Donc, ils peuvent, et puis les hydrocarbures, ils peuvent migrer. Il y a un pli, à un certain moment, vous avez des variations de pression qui peuvent augmenter. Vous avez une variation de pression, vous aurez ce qu'on appelle un excès de pression d'effort qui va faire que la barrière avec imperméable, la barrière imperméable est rompue. Surtout avec une faille, donc cela va provoquer le glissement à la faille adique et la migration de l'hydrocarbure. Si on est sur certains types de failles, la migration de l'hydrocarbure en surface. Voilà. Les failles, c'est des pièges. J'en ai fait un hack d'accord. Les failles, c'est des pièges. C'est des pièges structurels. Oui. Ça peut être une structure qui peut jouer un rôle de barrière technique. Parce que la faille, elle est. Avec la faille, une petite trop les failles, mais mal ouverte, la faille, elle, par exemple, si elle joue en cours d'un séisme, mal ouverte, elle va. Les minéraux, les joints, les bords de faille, elles vont se recristalliser. Ou qu'on a comme une gauche de faille, elle va devenir encore plus dure. Donc, vous voulez. Elle change de perméabilité. Voilà. Donc elle peut être imperméable au cours d'un séisme, mais malheureusement, elle peut taoutouler avec des réactions physico-chimiques, taoutouler, une barrière imperméable. Donc elle va être un piège aux hydrocarbures. Je mets un piège, je mets un triche douce. Triche hydrocarbures, je mets un. Le canjet imperméable entre les deux, mais le fait qu'elle est imperméable va faire qu'elle peut être un piège d'hydrocarbure. Très bien, donc ça va. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Oui. Même tu as des failles, qui ont des types de failles qui sont là, une cristallisation.
Soit vous choisissez d'être avec nous ou là contre nous, Adam Zouj. يحبسوا وما يروح يلعب بعيد انا عارفش مع بعيد شكون ما نقدرش نبلوكيه الا قدرت انتم تبلوكيوه بلوكيوه انتم انا جي با دو فوالا جي با دو دونك عاود الشيخ عم يقولوا بطبوطه ولا من بعد شكون هذا ولا ويدير هذا سي سي سيرفي فو بلوكي فو بلوكي اما لو كان جا لو كان جات جات ولا جا وسمو وما ما روح باسمك ديريكت ما تجيش باسم مستعار هكذا دونك حنا وني اون تران دو فار دو دو سمو دونك دونك سيل فو بلي سي فو سي فو سي فو سي فو مو فولي با سويف لي جون كي نو فيل با سويف واحد ما سيف عليهم فو نيت با اوبليجي دو تريسيا ما كوش اوبليجي دونك عاود عاود جمال واقيلا شيخ بون اسمح لي اسمح لي اسمح لي قبل ما تكمل هاي قالت لي زعما قرينا بريزونسي لو ديمونش ماشي ما حبيتش نقضيكم بريزونسي شكون على بالكم لي جون ماشي ما حبيتش نقضيكم بريزونسي باسكو قالت لي فوتشاجي فوت ديليغي انا ما بروبوزي مي ماشي سا ديبون با دو مو الفو فوار افيك لادمينستراسيون انا كاين لو كاين شيف ديبارتمون كيقول لي كيعطيني لوتوريزاسيون دو دونسينيون بريزونسيال يا با دو بروبليم مي طون كي ما عطاها لي شو ما نقدرش Monsieur, quand il y a des profs qui ont la présentiel sans autorisation, genre, ils ont filmé dans le parce que j'ai eu des problèmes. J'ai eu des problèmes, ou, donc voilà. Tout le monde qui fait, il n'y a pas de problème. Mais là, je me connais, je sais, à la belle où je suis avec Bébini ou Bébini, donc je peux avoir des problèmes avec eux. Donc j'essaie d'éviter, j'essaie de toujours de mettre la balle. Le compte à l'administration, c'est l'idée qui est décidée, machin. Je ne sais pas si je suis en bas, je ne sais pas si je suis en bas. Déjà, je suis en bas. Donc voilà. Donc voyez avec, il est en présentiel, voyez avec le chef de département. Il n'y a pas de problème. Je vous donne mon OK, je traduis mon présentiel. Je traduis mon présentiel, il n'y a pas de problème. انا بدا بيا لا انا كيما نتوما ثاني كيف اسمح لي جمال نورمالمون ماشي كاع بيان سور انا نهضر على اللي نهضر على وسمو ثم هذا بضبوطه هو اللي راه يدير الفرقان الناس نبلوكيوه نشوفو نبلوكيوه نشوفو ما تبوطه ما بضبوطه جا اسمو راه هنايا اون فوا فوا اون راه اون فوا لو سوبرينير خلاص ديجا هو البلوكي ني با في الديريكت ني با في الديريكت J'essaie de voir un petit peu le son. Il n'a pas essayé de trouver le snow. Je vais essayer de le chercher autrement. Il faut le. Où est-ce que c'est notre frère? Où est-ce Bon. On va essayer de. والله اسمع مي هكذا مي عطلو فينا هكذا باطل برك va chercher on va voir ce que il n'existe pas un délai jaune hein قال quelqu'un l'a bloqué هذا البطبط عليه n'existe pas un délai donc Jamal اسمح لي كوبيت لك اسمو خرج يهرب شيخ
Oui. Cher. Oui. Pour des failles, cher. Quitte, tu feras une faille, avec le temps, tu feras une cristallisation. La faille, tu es solide. Voilà, voilà. Attention. Voilà. Il y a quand même des pièges, des systèmes. Absolument, absolument. يقدر يكون دي بياج يقدر يكونوا دي بياج وي ابسوليومون هذه هي ابسوليومون يقدر يكونوا دي بياج وي وشيخ ثاني كان يحب نفهم ال واسمو لا بيروسيتي شيخ قلت لنا هذه اخترا في الكور بريزونسيال قلت سقسيت قلت لك اذا كيش نقدروا نحسبوا هذيك هذيك هذاك الفوليم اللي يكون داخل البور تاع ال تاع ال لاروش قلت لي باللي كاين بزاف كاين ميثود شغل شويه صعيبه من نقدروا حنا نعرفوا بالي نقدروا نشوفوا اذا هاد لاروش اذا راهي بيغوز ولا لا لا سما شيخ نشوفوا بالفوليم زعما نحطوا لاروش هذيك في الماء ونشوفوا لا بوروزيتي ديجا هنا الماء شنو هي سي لو فوليم كونتوني في لاروش تاعك سي لو فوليم الفوليم توتال تاع لاروش سي لو فوليم دو فيد سي لو فوليم دو فيد والفيد هذاك الفيد هذاك سا ديبون دونك الفيد هذاك تو بو ليفولوي تو بو ليفولوي بار دي بار دي دي ميثود ماكرو كبار شويه تو بو ليفولوي تم دي اون ايفالواسيون هكذا تو بو ليفالوي باردون دونك تو مدي اون ايفالواسيون Une évaluation, voilà, à peu près. Donc, tu mets un repère, par exemple, tu mets alors, la variation de porosité, donc, tu n'as pas besoin de trucs très, très pointus. Mais si tu veux, par exemple, chercher le volume, parce que le volume total à la roche, ben, c'est le volume du vide. Maintenant, si tu veux faire un travail de détail, le travail de détail, il te faut des échelles microscopiques. Enfin, il faut que tu suives avec le vide avec tu une autre échelle la femme donc le volume du vide tu le signes dans le domaine micro c'est impossible microscopique comme ça tu l'extrapoles à la réservoir tu essaies d'estimer le plus avec la méthode la plus réaliste possible le volume t'as le réservoir t'as. donc tu peux passer هذا هو الباساج اللي واعر تسمى كون تو باس دو دومين ميكروسكوبيك دو دومين دو لابوراتوار فوالا داناليز اون لابوراتوار او دومين جيولوجيك او دومين دي فورماسيون جيولوجيك دي كوش جيولوجيك دي ريزيرفوار اكسيتيرا تسمى تروح من الدومين ميكروسكوبيك للدومين ماكروسكوبيك دونك هذاك الباساج من الميكرو للماكرو هذاك لازم يكون عندك دي كونيسونس دو تكتونيك De beaucoup de choses, de géologie, de minéralogie, de géophysique. Mais c'est impossible, donc, en la main, c'est les vides qui sont impossible. Très bien, Jamel, excellent, très bien. C'est impossible. Mais donc, il te faut d'autres. À chaque fois que qu'on a du matériel plus pointu, à chaque fois, تروح في فوس ما فاهم اشوا تروح بلي سون ديتاي فاهم لا تريك دونك فوالا دونك راك فهمت العبشه الله يسلمك صحيت دونك لي جون حنا واقيلا نحبسوا هنايا معليش بيسكو كاين لعب بزاف اسكي دوت كيسيون اسكو فوز افي دوت كيسيون لي جون قلت لي بون انيس ولا اني شير مات قال لك مسيو سي فو بلان سقسيك مودول جيوفيزيك فاليديتو راني باسي دونك لا نوت راهي اونغسخي عندك ياك دوك عام حنا نحكوا على بوروزيتي وانت دخلت لي في حاجه واحده اخرى ما غاديش نشوف لك انا لا بعث لي هذيك بعث في اسمو بعث في لابوات مي نشوفو من بعد نشوفو من بعد نشوفو يا با بروبليم مي هكذا ما غاديش نقول لك لا Il faut voir Tanik, Anis, il faut voir avec l'administration comment ils évaluent les modules, les déterminants, enfin, je ne sais pas, avec la nouvelle, avec le nouveau chantier de l'IDER, la géophysique fondamentale appliquée. Donc, il faut voir avec votre chef de département comment
comment ils apprécient la note d'étoile amenée cette fois. Ah, il faut, s'il est là on va lui dire là c'est malade normalement, mais il faut voir avec le chef de département, c'est à lui de vous donner l'information utile pour vous. Les اختار الجاي بن عيسى منصف اختار الجاي كيسكو اون فافير نديرو كيما درنا في خطره مع لي جيو تكنيسيان جاس مليحه ماشي العام اللي فات العام اللي قبله سي كيلكان دونتر فو نشوفوا سوا فو ديليغي ولا كيلكان كي اللي عنده كونيكسيون مليحه الا ما عندهاش لا ديليغي كونيكسيون مليحه ولا عندها دي بروبليم دونك كان كيلكان بروغرام سي سيلي كي بروغرام لوخر اي بي اون اونتر ندخلوا واحد اللي يعرف مليح الزوم. C'est le volume du vide, oui. La porosité, c'est le volume du vide. C'est un rapport entre le volume du vide sur le volume total. Voilà. C'est-à-dire la porosité. Donc, la prochaine fois, on va essayer de... il se porte comme candidat. C'est lui l'admin, etc. Il manipule les zooms. Donc, déjà, ça a bien marché. Ça a bien marché mal les étudiants, mais c'est l'année fat ou l'année fat. Donc on va essayer de faire comme ça et puis voilà, on chauffe. D'ici là, mais à la balle, peut-être que si la faculté nous donne un accès, il y a un abonnement mal au SMO, mais à Webex, ça serait mieux. Mais sinon, on va faire comme ça au classe. Là, la Wahd Machi, il est mal de chez car mon PC n'est pas dispo. اه نو هذيك ما نقدروش لازم واحد يكون عنده ان بي سي واحد يكون الا ماشي انت رانيا واحد اخرى وحدهم وندير لي كيلكان كي اللي عنده كونيكسيون مليحه عنده كي بي فير لو كيما اليوم ماشي ما تقدري ديري وسمو كيلكان كي عنده ان بي سي اللي يقدر ميم يخليني ندخل انا يخليني ندخل جو بو بارتاجي مون ايكون يعطيني لا بيرميسيون دو بارتاجي ليكون اي بي سي تو سي كوا لا ديفيرونس انتر لا بوروزيتي لا بون هذاكم على بيرميابيليتي مي Mais mazal ma... Donc c'est un paramètre physique, la paramètre. C'est un autre paramètre physique qui définit la roche. Donc on n'a pas parlé de perméabilité, mais on va donner ça là. Et donc là, on va voir un peu de la différence entre les deux. On va voir ensemble, en plus de détails, la différence entre la porosité et la perméabilité. Donc on peut avoir les... On peut, les, on peut avoir... On peut avoir une correspondance entre les deux. Donc les deux paramètres peuvent être couplés. Hein. Peuvent être couplés. Donc voilà. Déjà le perméabilité qui m'a la perméabilité qui m'a les couches perméables, qui m'a l'imperméable doucement, le disque imperméable, etc. Donc c'est un paramètre physique que vous connaissez en appellation. Non, mais après on va voir quelle est la différence entre les deux en termes de propriété physique. Donc il faut déjà définir, donc on a défini la porosité, on l'a défini, on va la définir au mieux, on va définir la perméabilité technique, on va la définir dans notre contexte géologique, on va la définir et puis on va voir quelle est la différence entre les deux. Donc étape par étape. Il ne faut pas sauter les étapes. La diapo qui a des erreurs de ce monde. Vous pouvez apprécier, vous pouvez corriger un peu. Donc d'accord, ça va. Normalement, est-ce qu'il y a d'autres questions, les jeunes? Est-ce que vous avez d'autres questions? ايميل تاعنا جيوفيزيك هذا هو الايميل تاعنا جيوفيزيك هاولي جيوفيزيك بوان 3 نعطيكم انا التميل مي دونك جي كاريش اروباس اي اس تي اش بي بوان ديزل بوان ديزل فوالا هاو الدوزيام ميل تقدر تبعثوا لي هنا ثاني كا عندي ايميل جيميل مي معمر دونك جو بريفير نو با فوالا
Donc, c'est quoi la différence entre la structure perméable et imperméable et imperméable. Imperméable, perméable, c'est une structure perméable qui laisse passer l'eau, le fluide. Imperméable laisse pas passer le fluide. Voilà. Qui m'a vu c'est imperméable ou l'imperméable? Mais c'est kif. Perméable, tu laisses le donc la porosité, tu as kif ou là. واحد كتشوف تحكم فيستا باغ اكزومبل حره امبيرميابل ولا وحده فيها الاخرى دونك تفيق باللي كتبشتها هذا مالكش شكون اللي بيرميابل شكون اللي امبيرميابل pouvez poser des bien sûr vous pouvez poser il n'y a pas de problème مرحبا بكم vous pouvez poser des questions il n'y a pas de problème oui bien sûr oui Vous pouvez poser des questions, même qui te connaît par exemple. Vous pouvez, il n'y a pas de problème. Dans la faculté, donc, mais chez moi, je suis les jeunes. Je suis bébé, comment? Donc, il n'y a pas de. Oui, oui, oui. Oui, on est en bureau 55. Les gens qui veulent. Mais moi, je ne suis pas tout le temps de faire, moi. Je ne suis pas tout le temps de mettre. مانيش دونك انا جو ترافاي على ميزون ترافاي سيتو على ميزون دونك انا نجي نقضي برد لا 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 55 ماشي 57 سوف كو سوف كو لي جون سمحوا لي سمحوا لي انا ما نجيش بزاف ما تقولوش تصيبوني في لا دونك الا شي الا شتي الا ما جيتش ما تقولوش انا جو ترافاي على ميزون جي دوموندي دو ماتيريال دو ترافاي ما عطاوليش انا ما نجيش الماتيريال تاعي نخدم جو في ما ريشيرش على ميزون فوالا باش تكونوا فوزيت بريفوني ما تقولوش يا شيخ باسكو هدف الدخل في الوقت تاعكم تسمى في 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 القانون في القانون لازم نستقبل لي زيتيديون هذا سي فو الدروا سي فو الدروا دونك دونك فوالا ربي يوفقك واياك الله يبارك فيك صحيتك دونك انا نستقبلكم ماهيش مزيه ماهيش مزيه ماهيش مزيه لي جون هذا حقكم فوالا الوغ الا واسمو الا تجزتو تماك تحبوا تجوزوا الا الا كنت صبتوني صبتوني سينو سينو فوالا فو مونفوي ميل ولا ما عندوش انا عندو ريان Merci. Donc les gens, s'il n'y a pas d'autres questions, on termine le cours d'aujourd'hui. Donc j'attends votre bon cours. Merci, merci Saha, merci Saha. À vous de même, Arbi'am Kumtu Matanik. Bitte offrir, Inch'Allah. Merci Saha, Sliman Saha, merci Saha, Saha, Bnei Samus Saha. Saha, Yasmin Saha, merci Saha, merci tout le monde. Donc on termine. Voilà. Donc bonne nuit les jeunes, ou talaf rahtikum. À la prochaine, Inch'Allah. Naya, Naya, Bi'amkum Saha, Sahitu. Saha.